Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec Lyon. J'espère vous portez tous très bien aujourd'hui. Je vais essayer de faire trois matchs. Je suis pas sûr. Je suis pas vraiment sûr. D'ailleurs, j'ai arrangé la caméra. Donc normalement, elle est 1080p. Donc elle est plus de 720p. C'est plus dégueulasse. C'est plus censé être pas fluide. Donc là, c'est beaucoup mieux, je trouve. Et puis voilà, aujourd'hui, on va commencer par affronter Marseille, ensuite c'est Monaco et peut-être Manchester City pour le match hyper important. Peut-être que je vais le garder pour le prochain épisode. On va voir comment ça va se passer. Donc voilà, on va se retrouver, chers amis, pour les meilleurs moments de ce match face à Marseille. C'est parti, let's go! Allez, Rashford. Allez, Rashford. Oh my god, il tire à côté. Et de paille. Oh! Arrêté par le gardien, malheureusement. On va arriver à marquer à un moment donné. Hein. Ah bah voilà, là c'est bloqué. Let's go! 1-0. Voilà, j'étais full concentration. Et puis voilà, on arrive à marquer à la 32e minute. Memphis Depay qui marque suite d'une passe de Rashford. Et c'est 1-0 face à Marseille. Let's go, on va essayer de bien faire. À essayer de mettre le plus de chances possible qu'on a dans les filets. Et puis voilà, on essaie le maximum de marquer des buts. Oh my god. Bon, égalisation du score, j'ai aucune idée c'est qui a marqué. En vrai, je connais pas beaucoup de joueurs de Marseille, on va juste voir c'est qui. Strootman, qui ressemble vraiment pas à Strootman en vrai, on va pas se le cacher. Égalisation, faut faire mieux, faut vraiment que je fasse mieux. Et puis voilà. Allez, Depay. Allez, Memphis, le poteau, bien sûr. Bien sûr, le poteau, parce que c'est connu que je me tape que des poteaux. Balotelli de la tête, c'est 2-1 pour Marseille. Moi je me tape des poteaux, eux, ils font des centre-têtes et puis ça rentre direct. Ok. Allez, Depay. Oh my god! Oh, c'est quoi cette vieille passe? Oh my god! Allez, Memphis. Oh mais fuck sake! Ben voilà, notre première défaite cette saison, c'est contre Marseille. Voilà, 2-1. On s'est littéralement fait voler le match. C'est un truc de malade. Sur un fucking centre-tête. Toujours la même chose. Toujours la même chose, c'est abusé. Toujours des centre-têtes. C'est juste abusé. Après, on doit. Oh my god. Après, on doit affronter Monaco, qui est juste après. Donc, au calme. Et puis après, c'est City. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Pour le prochain match. Ouais, bon, on va voir ces saignons là. On va voir, mes joueurs vont être pétés. Ouais, voilà. Je vais mettre Saint-Maximin Quaresma, j'ai pas le choix. Daoud, pourquoi pas. Toussard. Denayer, Konaté. Bah voilà, c'est quasiment une équipe 2, juste les deux buteurs qui bougent pas. Donc voilà, c'est pas si mal que ça, mais quand même, c'est pas mes joueurs habituels. Enfin bref. On va voir comment ça va se passer face à Monaco. J'espère que ça va bien se passer. Ça va être le dernier match de cette vidéo. Et puis voilà, on va se retrouver pour les meilleurs moments de ce match face à l'AS Monaco. C'est parti, let's go. Let's go, Saint-Maximin. Ah oui, il va se faire manger en physique, ça c'est sûr. Bah voilà, il a été capable de passer un joueur, mais après, c'est mort. Ce jeu est stupide. Centre-tête tout le temps. Toutes les équipes qui sont contre moi. Mais quand je mets un centre-tête, moi, c'est un poteau. Voilà. Ce jeu est stupide.
Ils vont que chercher à centrer tout le temps. Et moi, faut que je me démerde. C'est pas possible. Oh my god. Encore un sans tête. Alors, je vais juste vous parler d'un truc. C'est que ce jeu, ils savent que faire des centre-têtes. Il y a beaucoup de trucs que vous avez pas vu dans cette vidéo. C'est tout simplement parce que je les ai pas mis. Et c'est les 12 000 centres qui essaient de faire. Les 12 000. Donc vous pouvez comprendre un peu pourquoi je rage quand il y en a un qui rentre. Parce qu'ils font que ça. Toi là, centre. Même s'il y aurait eu personne, il y aurait centré pareil. Tout à l'heure, c'était un 2 contre 1. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Il a centré. À l'autre poteau à côté, le centre était totalement foiré, mais il a quand même essayé de centrer. Genre, je veux dire, fais une passe en profondeur, fais un truc, je sais pas, c'est con. Mais c'est comme ça. Et pourtant, avant la dernière mise à jour, c'était pas comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ben voilà, fin du match, défaite 1-0. Et vraiment, je suis dégoûté de ce jeu parce que c'est dégueulasse. Les 5 tirs qu'ils ont fait, c'était des centres. Il y en a un qui a été cadré, il est rentré. Ah non, c'est les 8 tirs, c'est pire. Parce que là, je regardais du côté de mon équipe. Les 8 tirs qu'ils ont fait, 3 ont été cadrés. C'était que des centres. C'est abusé. Abusé. Jamais tu vas voir un joueur essayer de mettre une enroulée. Jamais. Tu vas les voir frapper de base, toi. Juste le cercle. Y a jamais d'enroulée. Y a jamais rien. C'est toujours les mêmes trucs. Va sur l'aile. Centre. Bon, peut-être ça va mettre une tête. Peut-être je vais la reprendre. Je sais pas. C'est comme ça. Le jeu est fait comme ça. Et puis voilà. Et en plus, je suis obligé de gagner le prochain match pour me qualifier pour la Champions League. Donc ça va être pas mal compliqué, mais je ne vais pas jouer ce match dans cette vidéo parce que je suis un peu salé. Et puis voilà, et surtout j'essaie de prendre des pauses et de pas trop jouer au jeu. Parce que je vais pas vous cacher, je joue juste au jeu pour enregistrer. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu les familles, vous abonner, c'est pas encore fait. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace! Fucking centre!